René. Oui, maman. Mets ça dans la malle arrière. Dans la malle arrière, Moumou. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas, nous irions à la repos ensemble. Ouvre le portail. Au revoir, madame. Coco, ma princesse, abruti que je suis. Je t'avais promis qu'un jour je vais entrer et te toucher quand madame va sortir. Tchèi! Yaoua! Voici venu le moment. Madame est sortie. Kai! Coco, ma princesse. Aboki que je suis, je vais venir là-bas dedans et te toucher comme ça. Aboki que je suis, Kokoma, ma princesse, Aboki que... Et que ma Kokoma. Hé, tu ne fais absolument aucun mouvement suspect si tu tiens à rester en vie. Au calme, tu démarres. Doucement. Les gars, venez. Démarre calmement. Calmement, j'ai dit. Arrêtez-vous! T'intéresse pas d'arrêter, d'accord? Garde, t'arrêtes! Allez, pas. Démarre! Garde, démarre! Fonce! Arrêtez-vous! L'officier, démarre cette voiture, poursuivons-les! On les tire dessus.
Officier, arrêtez-le. Arrêtez-le. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Officier, prenez son arme. Avance là-bas. Avance. 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 Dépose ton arme. Criminel. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Bouge, bouge. Ah, avant. Avance là-bas, criminel. Avance. Avance. Avance là-bas. Voilà. Avance. 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 Monte. 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 Vite, vite, vite à l'intérieur. Toi de l'autre côté. Mon Dieu, où est mon fils? Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Dieu, s'il te plaît, ramène-moi mon fils. Christiana, où es-tu? Oh! Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Mon fils, garde mon fils là où il se trouve. Oui, monsieur l'officier, vous m'avez appelé. Oui, madame. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons arrêté cet involé à main armée hier suite à un accrochage. Nous les avons emmenés à leur base et nous avons vu une voiture garée dans leur cachette. En fouillant les papiers de la voiture, nous avons vu votre nom. Êtes-vous sérieux? Oh mon Dieu! Oh, merci beaucoup, monsieur l'officier. Je suis honoré. Merci, merci beaucoup. L'officier! Monsieur! Fais sortir ces criminels. Oui, monsieur! Avancez! 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 Idiot! Mon commissaire! Regardez les voleurs armés. Toi? Madame, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de vous expliquer. Je suis étranger à tout ceci. Je ne suis pas un voleur. L'officier. Je suis innocent, madame. Je ne suis pas un voleur. Je suis monsieur, pas un voleur. Madame, s'il vous plaît, je suis innocent.
croyez-moi, je suis innocent. Avancez là-bas. Je suis innocent. S'il vous plaît, écoutez-moi, ma mère est mourante à l'hôpital. Je vous en supplie, écoutez-moi. Avancez là-bas. Je vous en supplie, vous savez, c'est la vérité. J'ai besoin du rapport de l'affaire de cette dame. D'accord, monsieur. Officier, je dois partir. Merci beaucoup de votre travail. Je suis reconnaissante. S'il vous plaît, apportez cette voiture à la maison. Je suis étranger à tout ceci. Je ne suis pas un voleur. Vous le savez, s'il vous plaît, dites-leur. Allô, inspecteur John. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Comment va le travail? Ok, d'accord, inspecteur, j'aimerais que vous me fassiez une faveur, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais parler à l'un de vos détenus demain matin. Oui. Oh, merveilleux. S'il vous plaît, supprimez la procédure du tribunal, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord, je vous verrai demain. Passez une bonne nuit. Merci. Écoute, mon cher, j'aimerais que tu me parles. J'ai vu la vérité dans tes yeux quand tu criais. Tu vois ces gars? Ils ne te coûteront jamais parce que tu as été attrapé à l'acte. Mais je peux t'écouter. Pas pour autre chose, mais pour ce que tu as fait pour moi. Ton honnêteté pour ta mère qui est malade. De qui l'avez-vous appris? Mais de toi. Alors parle-moi. Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Lorsque ces gars m'ont stoppé, je n'ai pas su qu'ils étaient des voleurs. Ah, ça dit quoi, non? Je vais bien, merci. S'il te plaît, j'aimerais que tu me déposes au centre commercial. J'ai ta petite course à faire là-bas après. Il y a quelques amis qui nous rejoindront puis tu nous ramèneras ici. Ça vous coûtera 5 000. Pourquoi non? De quel 5 000 est-ce que tu parles? Écoute, je te donne 3 000. Voilà, bon garçon. Personne ne veut croire en moi. Je leur ai supplié d'avouer. Ainsi, la police pourrait réduire mes charges si elle découvrait que j'étais en cause. Où est ta mère? Elle est internée à l'hôpital. De quel hôpital s'agit-il? Maman. Oui. Tu dois être forte. Je vais aider ton fils, quel que soit ce qu'il y a. Comment quelqu'un veut-il précipiter la mort de mon fils? Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que mon fils ne peut jamais voler quelque chose à quelqu'un? Ça jamais. Je sais. C'est pourquoi je ferai tout mon possible pour le faire sortir. Oh. Je le ferai pour toi. Merci. Et si je peux le demander? Qui es-tu? Je suis son amie. Une amie? Oh! Il m'a aidée dans le passé. Oh, très beau. Dieu te vienne en aide. Amen. Dieu soit ta force. Oh, qu'est-ce mon fils? Oh! Ta mère t'a salué. Vous êtes allée voir ma mère? Oh, merci beaucoup, madame. Le docteur a dit qu'il lui faut une transplantation. Est-ce vrai? Pourquoi ça dure? Il n'y a pas de temps, tu sais. Ma mère est vraiment malade.
S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de cet endroit pour que j'aille suivre le traitement de ma mère. Madame. Madame. S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais, je sais. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est un cas de braquage. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Nous devons chercher les preuves. Docteur, que pouvons-nous faire? Sa santé se détériore à chaque minute. Le plan était de la maintenir sur médication alternative. Mais le traitement était suspendu pour 2 jours à cause de la disparition de son fils. Et ce traitement-là ne peut plus aider. Je ne suis pas sûre que vous m'avez comprise, docteur. J'ai dit que pouvons-nous faire? La seule solution maintenant, c'est l'opération. Ils ne font absolument rien pour cela. Ai-je l'air d'une personne qui n'a pas de moyens financiers pour aller jusqu'au bout? Docteur, commencez le processus, s'il vous plaît. On a besoin de toutes les informations pour commencer l'opération. Alors, obtenons la signature de ces papiers. Personne n'est disponible, madame. Qui est la seule personne que nous pouvons contacter pour le moment? Sa sœur fréquentait Isuka. Et ses téléphones sont éteints depuis des jours maintenant. D'accord. Pourrions-nous avoir une infirmière qui ira à Isuka pendant que je m'arrange à payer la facture à la caisse? Je payerai le vol. Je payerai tous les frais dus au déplacement. S'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Ce n'est pas possible. Nous n'avons que quelques infirmiers ici. Et ça, c'est une période très chargée. Désolée, je vous aiderai à trouver quelqu'un d'autre. Ok, pouvons-nous les amener au poste de police pour qu'ils les signent? C'est pas possible. C'est contre nos lois de quitter avec les documents officiels. Seigneur, ils doivent être signés ici à l'hôpital. Combien de temps avions-nous? Où avez-vous trouvé cette photo? Ta fille te salue. Elle a dit qu'elle t'aime. C'est vraiment désolé. Elle a dit qu'elle est fière de toi. Elle a dit que tu es son père. Comme ta femme. Qui es-tu? Pour qui est-ce que tu bosses? Dis-moi qui t'envoie. Non. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin de ton aide. J'ai eu ton adresse que tu as donnée chez M. Dave. Alors, j'irai rendre visite à ta famille. Non! Je t'interdis d'impliquer ma famille dans cette histoire. Jerry, tu as toujours fait du mal à ta famille. Mais tu peux encore rendre ta famille heureuse si tu coopères avec moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Les charges détenues contre toi peuvent te faire pourrir en prison. Même une peine de mort. Mais si tu m'aides, bien, ta famille ne manquera de rien. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Le gars qui est en cellule avec toi, je sais qu'il est innocent. Je veux que tu dises la vérité à la police. Si tu le fais, je m'occuperai de la scolarité de ta fille. Oh.
Est-ce que j'ai ta parole? Semaine dernière, gars, mais qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps? C'est ce stupide garçon. Il a faussé de venir avec la voiture, non? Nawo, mais tu lui as donné de l'argent, non? Mais c'est ça qui me fatigue. Les gars, nous devons partir avec cette voiture. Ça, c'est une mauvaise idée. La police est déjà en train de traquer cette voiture. Vous m'avez entendu? Nous n'allons même pas arriver là-bas avant qu'il nous ait retrouvés. Vous n'entendez pas? De toutes les façons, j'ai un plan. Cela fait de moi une personne déterminée. Vous entendez, c'est un jeu. C'est pas difficile. Qu'est-ce que j'ai de plan, Charles? Approche que je te dise. Viens, non? Écoute-moi très bien. Voici comment nous allons faire. Ah, gars, ça dit quoi, non? Je vais bien. S'il te plaît, je veux que tu me déposes au centre commercial. J'ai une petite boutique là-bas et après, tu prendras quelques amis à moi et nous reviendrons ici, là. Vous allez payer 5 000. Pourquoi non? De 15 5 000, qu'est-ce que je parle? Écoute, je te donne 3 000. Gentil garçon. Cet innocent. On l'a utilisé pour qu'il nous aide à accomplir ce dont on avait besoin. L'officier. Monsieur. Amène-le d'ici. À vos ordres, chef. Avance. Officier. Maintenant que vous avez la vérité, Guez peut-il être relâché maintenant pour aller signer les papiers de la transplantation de sa mère? Pas si tôt, madame. Il y a d'autres procédures qui doivent être suivies. Cette affaire ne peut pas être traitée dans une heure. Elle est suivie par l'inspecteur général. Madame, vous pouvez voir qu'il n'est pas en mon pouvoir de le libérer. Le mieux que je puisse vous faire est de faciliter son transfert devant la cour. Désolé. D'accord. Heureusement que vous êtes là. Comment va-t-elle? Nous sommes en train de la perdre. J'ai déjà transféré l'argent dans votre compte, alors commencez l'opération. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut que ces documents soient signés. Mais docteur, nous devons faire cette opération rapidement. Sérieusement. Madame, ce n'est pas de ma faute. Il faut que nous signions ces documents. S'il vous plaît. Passez une bonne journée. Ok, je viens. Ouais. Madame, cette affaire est au-delà de mon pouvoir. Ah. Ok, vous saviez, officier, comment peut-on arranger ça? Je vous donne 1 000 000. Relâche-le. Je veux dire, ce gars a déjà prouvé son innocence. Désolé, madame. Le commissaire n'a pas ordonné sa libération. J'attends juste son appel. Vous pouvez dire au docteur d'être patient. Ce n'est pas à propos du docteur. Peut-on supplier la mort d'être patiente? D'accord, vous saviez quoi? Officier, laissez-moi rester ici. Elle signait ces documents et qu'ils reviennent. S'il vous plaît. Madame, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas une criminelle, donc il n'y a aucune raison de vous garder ici.
C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas possible. Oh. Docteur. Oh, heureusement que vous êtes là. C'est quoi le problème? Ma mère va bien? L'opération de votre mère aura lieu dans quelques heures. Mais nous avons besoin de... On n'a pas encore d'argent. La copine de ton frère a payé cet argent, mais on a besoin d'une signature. Où est mon grand frère Chris? Il n'y a pas le temps pour cela. Simplement signer les documents. Vous serez au courant de ce que vous va-t-on voulu, s'il vous plaît. Okay. Il faut que vous signez, s'il vous plaît. Ah, Lucie, comment tu vas? Où est maman? Elle est dans la salle d'opération. C'est comment? Salut. Voici Lucie, ma petite soeur. Lucie, ma sauveuse. Oh, merci. Merci beaucoup. Ça va aller, ok? Merci beaucoup. D'accord. Docteur. Nous avons fait de notre mieux. Oh, merci. Merci pour tout. Mais c'est déjà trop tard. Quoi? Nous l'avons perdu. Vous avez perdu quoi? Maman. Calme-toi. Je sais que les choses ne sont pas faciles pour le moment, mais je sais quoi faire pour qu'on s'en sorte. Grand frère, je commence à avoir peur de partir et de te laisser ici seul. Grand frère, mais pourquoi tu ne peux pas passer quelques temps chez tes amis? Tu sais, je n'ai pas la tête à ça. Je ne suis pas fait pour ces choses. Mais je trouverai du temps, ne t'inquiète pas. Je veux que tu rentres à l'école. Je vais trouver de l'argent et te l'envoyer. Ok, grand frère. Merci beaucoup. Tu vas vraiment m'en manquer. Spécialement maintenant que maman n'est plus là. Je n'aurai même plus de temps pour rester à la maison. Ça serait juste moi et ma voiture. Oh mon Dieu, maman, comment peut-elle nous abandonner sans même nous dire au revoir? Grand frère, non. Tu vois pourquoi je n'ai pas envie de te laisser seule. Tu vois?
Merci bien, c'est gentil. Alors, comment tu te portes? Je vais bien, madame. Ta sœur est-elle rentrée à l'école? Oui, oui. Lucie est repartie à l'école. Je suis venue vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et pour moi également. Je sais que ça n'est pas assez, mais j'ai la foi que Dieu vous bénira au centuple. C'est bon, je t'en prie. Alors, as-tu recommencé le travail? Non, non, pas vraiment. J'avais besoin d'un peu de temps. Je ne suis réellement plus motivé à faire du taxi après tout ce qui s'est passé. Franchement, je n'en veux plus. Je vais juste retourner à la maison maintenant parce que j'ai déjà rédigé mon CV et je l'ai déposé dans certaines compagnies. CV? Waouh! Alors, que peux-tu faire? Quelle est ta qualification? Je suis diplômé de l'Université de Delta State en gestion d'entreprise et commerce international. Intéressant. Vraiment intéressant. As-tu déjà géré une affaire? Pas vraiment, madame. Sans problème, tu peux aussi commencer quelque part. Je pense que si tu peux commencer par être chauffeur personnel, mon chauffeur personnel, comme je pense, je te donnerai un salaire raisonnable. Tu vois, je connais ton histoire. C'est pour ça que j'essaye de t'offrir quelque chose pour survivre. Madame, j'apprécie vraiment votre offre, mais je ne veux réellement plus retourner en route. Je préfère s'ils me prennent dans un bureau, travailler et donner le meilleur de moi. Je veux juste faire autre chose. Ok, dépose juste ton CV à mon bureau. J'appellerai quelques amis pour voir si je peux les parler de toi. En ce moment, ma société est en train de faire certaines compressions. Tu vois? Bon, on fera quelque chose pour toi. D'accord, madame. Pourquoi cette compression? Mon ami, je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Va juste déposer ton CV, comme je l'ai dit. Madame, je voulais juste vous dire merci beaucoup. Je t'en prie. D'accord, madame. Donc, c'est vrai. Pardon, madame. Mon ami de la société Bénéficiaire a dit que tu as géré son entreprise. Je n'étais pas le gérant de la structure. Je travaillais là en tant que stagiaire. Mais lorsqu'il a voyagé pour l'étranger, je gérais presque tout et lorsqu'il est revenu, il a repris ses affaires. Il a voulu me garder là, mais le temps ne l'a pas permis. Bien, j'ai parlé à M. Benson, il a dit beaucoup de choses sur toi. Je ne sais pas pourquoi je veux faire ça, mais je pense que nous avons besoin de tes services dans cette société. Je vais bientôt prendre mon congé et nous pouvons signer le contrat. Tu prends cet endroit pour un moment et active-le pour le succès. Ok, madame, mais de quel type de contrat s'agit-il? Mon assistant te donnera tous les documents sur quoi tu travailleras. Après, nous pourrons parler du contrat. Ok, on se voit demain chez moi. Je vais inviter quelques personnes et tu dois les rencontrer. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie. Vous êtes un vrai ange. Je t'en prie. Merci encore. D'accord. Oui, monsieur Walter. Veuillez nous excuser, nous sommes vraiment désolés pour le retard. Et nous vous assurons que nous allons vous servir dans un bref délai. S'il vous plaît, soyez patient. Prenez soin de vous. Bye. Monsieur, voilà le rapport que vous m'avez demandé d'apprêter. Ok. J'ai reprogrammé votre réunion avec la société Odara à 14h. Et vous avez réunion avec madame Adou Driver. Ok, bien. Dès que je serai de retour, j'aimerais que tout soit prêt immédiatement. J'ai déjà demandé à Liliane d'apprêter les numéros de compte pour mon patron. Voilà ce qu'on va faire, d'accord? Oui, et oui. S'il vous plaît, dites à Monsieur Ben de passer me voir immédiatement. Oui, monsieur. Ah oui. Mets-toi au travail, fiston. Allô? Oh oui, chef.
Oui, chef, je ferai de mon mieux. J'ai acheté cette auto parce qu'on nous a tiré des provisions. Vous nous payerez 50% et vous serez approvisionné. Oui, chef. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Allô, madame? Oh oui, madame. Ils vous paieront 50% et ils seront approvisionnés. Oui. Je sais ce que je ferai en tout cas. Si vous ne les croyez pas, vous ne pourriez pas faire d'affaires. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pourriez pas faire de profit. Ok, bien, madame, vous pouvez le déposer dans mon compte immédiatement. Oh oui. Ok, merci, madame. Merci, madame. Bonne soirée. Allô? Oui. Oh oui. Oh oui. Pardon? Oui. Ok, je vous enverrai le mail maintenant. D'accord, compris. J'ai de quoi noter. Je ne peux pas le croire. 40 millions de naira? Ça, c'est une augmentation incroyable. Dans 30 minutes. Comment es-tu arrivé à faire cela? Seigneur, c'est vraiment magnifique. Comment tu peux convaincre ces gens de payer? Oh, Monsieur Guess, je pensais... Je te remercie vraiment. Quoi? Je n'arrive pas à te remercier. Donne-moi juste une minute. Tiens. Madame, c'est pourquoi? Voilà 3 500 000 naira, ce qui avait été convenu lors de la signature de ton contrat.
Je recommence mon travail lundi. J'aimerais que tu restes dans la société. Oh, c'est vraiment merveilleux, mais... Je vous supplierai de reprendre votre chèque. Je ne saurais le garder parce que... Vous m'avez redonné la vie que j'avais perdue. Sérieusement, vous aurez pu le faire vous-même. Construire votre business n'a pas été difficile pour moi. Pour être honnête, c'est moi qui vous suis redevable. Je pense que mon salaire et mes commissions me suffisent. S'il vous plaît, reprenez votre chèque. Pardon, madame. Pardon, madame. S'il vous plaît, reprenez-le. Merci. Wow. Pourrais-je au moins avoir un câlin? D'accord, madame. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait. J'aimerais qu'on sorte ce soir, si ça ne te dérange pas. Ce sera un honneur, madame. Je ne manquerai pas. Merci. Merci beaucoup, madame.
se passe ici? Hein? M'as-tu fait l'amour? Je suis désolé. Quoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as profité de mon ivresse? Je suis désolé, madame. Comment peux-tu me faire ça? Oh mon Dieu, comment ai-je fait pour descendre si bas? Retire tes mains sous moi! Ferme-la! Ferme ta bouche! Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé. Pardon. Pardon. Pardon de quoi? Pardon. Pardon, je suis désolé. Madame, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardon. Je suis désolé. D'accord, Chief. Je dois te laisser maintenant. Ok. Non. Tu voudrais que je descende et je te raccompagne? Non. Ne t'inquiète pas. Il sait déjà que je suis là. D'accord. D'accord. Je t'aime beaucoup. Hein. Merci. Prends soin. Okay. On se voit. Mouais. Pense à moi, bébé. Au revoir. D'où est-ce que tu sors? Je reviens d'une réunion. Quelle réunion? Une réunion que tu ne connais pas. Vicky, je suis ton mari. Et j'ai le droit de savoir exactement d'où est-ce que tu sors. Comment était ta journée au travail? Tu vois, je suis très fatiguée. Et si tu ne l'es pas, tu peux te tenir là toute la nuit et continuer à te poser les questions.
Bonne nuit. Vicky, reviens ici. Vicky! Maman, c'est pas juste. Maman, c'est pas juste. Je t'ai dit que mon avion arrivait à 11h et tu n'es pas venu me chercher. Je n'ai vu personne. Ok, c'est bien, c'est bien. Je t'ai entendu, je suis sur le chemin de la maison. Ok, tu me verras à la maison, mais viens récupérer mes affaires. Oh maman, ne recommence pas. S'il te plaît, ne recommence pas. Ok, bien. Je ne lui ai pas dit parce que je voulais lui faire la surprise. Oh maman, je dois te laisser, je dois raccrocher. Hey Cindy chérie, comment tu vas? Je vais bien. Oh mon Dieu, tu es folle. Comment tu sais que je suis au Nigeria? Oh mon Dieu, tu m'as manqué. Ok, tu sais quoi? On se verra la semaine prochaine. D'accord, chérie. Bye bye. Madame, vous êtes venue. Adamu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Madame... Pourquoi tu n'as pas ouvert le portail? Madame, je faisais la lessive, madame. Hein? Où est Kokuma? Kokuma, madame l'a chassé. Toi, madame, qui est-ce qui l'a chassé? C'est madame qui l'a chassé, je vous jure. Oh mon Dieu, s'il te plaît, prends mes bagages et les apporte à l'intérieur. Je me demande bien la raison pour laquelle vous avez chassé Kokuma, mince. Maman, je ne comprends pas. Depuis que madame a laissé entrer cet homme ici, il poursuit Kokuma. À tout moment, Kokuma, Kokuma. Maman, je n'aime pas ça, hein. Aïe! Salut, papa. Bonjour. Qui êtes-vous et qui est votre père? Sois tranquille. Maman m'a parlé de toi. Granny? Granny? Jay, je savais pas que tu es si belle. Oh mon Dieu, viens. Regarde comment tu es si belle. Oh mon Dieu. Bienvenue au Nigeria. Merci, papa. Bon retour au Nigeria. Merci. Je suis content que tu sois rentrée. Viens dans mes bras. Oui. Dis-moi, comment as-tu gardé de ton long voyage? J'ai déjà apporté de belles choses. Regarde-moi! Oh, maman! Oh mon Dieu! Remy, tu es devenue une grande fille! Oh mon Dieu! Oh, tourne-toi! Bienvenue, oh, maman! Comment était ta journée? Je vais très bien! Comment était ton vol? Pas mal! Allez maman, tu es tellement belle. Oui, tu peux encore le dire. Tu peux voir que le mariage rend quelqu'une coquette. Laisse tomber. Alors, comment va Monsieur Johnson? Mon père va bien. Il a demandé à ce que je te fasse un bonjour. Je vois. Bien. Il a arrêté de m'appeler quand il a su que je me suis mariée. Pas vraiment maman. Il n'est plus en Angleterre. Il est malheureusement aux États-Unis. Je vois. Bien. As-tu vu ton beau-père? Oh oui. Je l'ai vu. Alors? Allez, dis-moi. Il n'est pas mal, c'est juste un tout petit peu la peur de l'âge. Laisse tomber cela, il ne se plaint pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas? Maman, allons-y. Tu m'as manqué. Tu es devenue belle.